Donc, on a ici l'église de Saint-Férol-des-Neiges. Et c'est le stationnement. Vous voyez comment il y a des voitures. Hein? On est samedi. Il y a beaucoup de monde qui vient au sentier Mestacibo. Donc, je te dirais que c'est quelque chose quand même. Nous, on est à l'église ici de Saint-Féréol. Okay? Et tu pars tout le long, tu suis la rivière Saint-Anne. Okay? Puis à un moment donné, il y a deux petits ponts qui traversent. Deux beaux petits ponts suspendus qu'on va voir tantôt. Puis voilà. Puis on est ressorti, nous, ici, au Faubourg. Okay? Donc ça, c'est la boucle des cathédrales que vous pouvez faire aussi. Donc c'est pas mal beau. Puis les chutes Jean-Larose, ici. Hein? Donc, venez essayer ça. Ça vaut la peine, mais... C'est pas un sentier de tapette. Si tu te plantes, tu te la pètes. Donc, c'est un sentier qui suit la rivière Saint-Anne. Puis, mon Dieu, ça. Vraiment beau. Les petites passerelles, c'est pas cheap en tout. Hein. Il n'y a pas de CEPAC ici, donc ça coûte pas une scène. Saint-Féréol-des-Neiges à l'église, c'est là le départ. Le sentier Mistachibo, c'est vraiment beau. C'est assez rock'n'roll. Mais regarde les beaux ponts, ils sont trippants. Vraiment trippant. C'est pas cheap. Un autre passerelle. J'imagine parce que l'autre bord, c'était trop à pic. On se croirait en Himalaya. On est aux Himalayas. Donc j'imagine ce bord-là, c'était trop à pic. Alors ils ont décidé de nous faire passer ici. Oh, lui, il est plus vieux, lui. Ben, s'il n'y aurait pas de filet ici, ce serait assez peurant. Donc, c'est pas mal ça, la trail, là. Toujours des roches, des petits passages rocheux. Mais tu y vas par étapes, puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment cool parce qu'on suit tout le temps la rivière Saint-Anne. Il y a du if d'Amérique un peu partout. Tu peux pas sortir du tapis de marche, c'est super bien tracé. Ouais, beau sentier. Ça fait quand même 5 heures qu'on est dans le trail. Donc voilà, c'est très bien indiqué. Alors, on sait où on s'en va. Nous autres, on prend le sentier secondaire. Puis une autre fois, on viendra faire la boucle ici, là.